La transformation digitale de la pédagogie, on l'a initiée il y a 3 ans. Sur l'enseignement, la transformation, elle est d'abord pédagogique. Transformer un objectif d'enseignement en un objectif d'apprentissage et d'efficacité de l'apprentissage. Ça passe par 3 idées-forces. Des pédagogies actives, collaboratives et adaptatives, c'est-à-dire individualisées. Pour ça, les outils digitaux rendent possible cette transformation. On est parti sur des Surface Hub, Surface Go et installation MTR dans un certain nombre de salles pour les équipements. Et puis sur Teams, principalement, comme outil centralisateur de l'ensemble des enseignements. L'incontournable, c'est bien sûr Teams. Moi, je pense que Teams est un excellent outil pour justement être un outil de travail, de collaboration, de connexion. Je mets quasiment tout sur Teams. Pour que ça soit bien utilisé, ça nécessite quand même d'être bien préparé. Nous avons utilisé des Surface Hub et des Surface Go dans 2 optiques différentes. Les Surface Hub pour favoriser les travaux en collaboration pour les étudiants, projet de groupe, pédagogie par projet. La Surface Go a été d'abord un choix lié au plan de continuité pédagogique lors de la Covid. Aujourd'hui, les usages ont évolué. Ils vont être utilisés toujours dans une logique de mobilité et de qualité d'interaction, mais également pour envoyer des étudiants dans les box, dans les espaces collaboratifs, dans un groupe projet. La Surface Hub de Microsoft est une surface du coup très intuitive, une taille assez grande, donc facile d'utilisation. Ça permet d'échanger en fait avec toutes les personnes présentes dans la salle, mais également en distanciel. Donc un travail très collaboratif avec cette surface. Il y a aussi toutes les fonctionnalités comme par exemple le tableau blanc qui nous permet de faire un brainstorming qui s'enregistre aussi automatiquement. Le système MTR et Surface Hub sont des systèmes qui nécessitent des équipements particuliers, mais qui permet d'avoir un Teams très qualitatif. En réunion vidéo ou en interaction dans un cours, dans une situation pédagogique, parce qu'on a une bonne qualité d'image, une bonne qualité de son et une interaction. Bonne qualité d'image parce qu'on a un système qui fait en sorte que l'ensemble de la classe est filmé. Donc les élèves qui sont, encore une fois, distants peuvent se sentir beaucoup plus éléments de la classe parce qu'ils voient les autres qui agissent, etc. Donc c'est des outils qui sont très puissants à condition qu'on éduque à l'outil. On a créé en mars dernier un Learning Lab qui a différentes missions. Une de ses missions est d'accompagner et inciter à l'innovation pédagogique. Il y a aussi besoin d'avoir des gens qui nous expliquent d'un point de vue simplement concret, pragmatique, comment utiliser ces outils. Et puis aussi, ce qu'ils font, qui est absolument nécessaire aussi, c'est qu'ils nous motivent, ils nous stimulent aussi. L'intérêt d'un partenariat avec Microsoft, c'est de travailler avec une société qui est solide, réactive et innovante, et qui est à l'écoute des professeurs et du monde de l'éducation. Le BSB place au cœur l'accompagnement des étudiants. Les outils proposés permettent de moderniser et rendre efficace l'accompagnement, c'est une chose. La deuxième, c'est l'inclusion, l'universalité. On a dans Teams notamment des outils de lecteurs immersifs, d'accompagnement au handicap qui sont très importants pour nous, qui s'inscrivent dans nos stratégies. Et puis on a une visée d'universalité, d'universalisme, d'internationalisation. Là aussi, on est sur des produits et des solutions qui sont disponibles à l'échelle de la planète et de nos partenaires.